Hello à tous, on se retrouve pour un Ça vaut le détour spécial musique, rock, folk, chansons françaises, jazz, blues et tout ce que vous voulez. Il y en a pour tous les goûts. Les terrasses du jeudi à Rouen, découvrir les musiciens devant la scène, pendant les concerts, mais aussi backstage avec des coulisses, des interviews. Mais juste pour commencer, je vous propose un résumé de la première soirée des terrasses du jeudi à Rouen. C'était jeudi 10 juillet, regardez. À nouveau, ça vaut le détour en Normandie. Je suis très heureux de vous retrouver. Pour une soirée un peu particulière, très événementielle, ce sont les terrasses du jeudi. Un Rouen qui est transformé par la météo d'abord, mais après par une très belle programmation. Les terrasses du jeudi, c'est Stéphane Monnier qui va nous en parler. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Stéphane, il est habituellement le directeur de cette très belle école à Rouen qui s'appelle Le Calife. Alors Le Calife, deux mots pour rappeler à tous ceux qui connaissent peut-être le nom, mais qui ne mettent pas forcément de choses précises ou d'images dessus. Alors, Le Calife existe depuis 1996 et c'est une école de musique et des locaux de répétition en fait fréquentés par énormément de musiciens depuis bientôt 20 ans. Une vraie belle image, une machine à fabriquer de la musique, mais aussi, comme vous le dites, des musiciens. Oui. Peut-être des noms qui sortent un peu, qui émergent et qui ont commencé au Calife. Alors Tahiti 80, que vous allez retrouver ce soir ici. La Maison Tellier, Christine aussi, enfin, qui ne répète pas forcément au Calife, mais avec qui on travaille. Donc voilà, entre autres, ces groupes-là, Steeple Remove, les Dogs aussi. Donc voilà, ça fait plein de groupes en fait qui sont passés par ce lieu. Comment on s'improvise, alors vous allez me reprendre sur le terme et ça me fait plaisir, organisateur de spectacles, alors attention, pas moins de 24 spectacles les 10, 17, 24 et 31 juillet, depuis la direction d'une école. Alors c'est assez simple puisque Le Calife est soutenu par la ville de Rouen. On a rejoint le comité de sélection des terrasses du jeudi à partir de 2006-2007. Et tout naturellement, en fait, la ville de Rouen a souhaité, comme on est aussi lieu structurant de la ville de Rouen sur les musiques actuelles, elle a souhaité en fait nous confier cette mission et on les en remercie parce que c'est vraiment un challenge pour nous. Vous êtes très sympa, vous ne m'avez pas repris évidemment, vous m'avez pas grondé avec le terme improvisé. Évidemment, c'est un métier de pro, bien sûr. Ça suppose quoi ? Quelques éléments concrets pour nous faire comprendre ce que c'est d'organiser comme ça, 4 soirées en juillet, autant de concerts. Alors, il y a plusieurs postes. Il y a un chargé de diffusion, il y a un régisseur général, il y a quelqu'un à la communication, avec les relations aussi avec les groupes. Donc, en gros, c'est beaucoup de techniques, beaucoup d'organisation, beaucoup de mailing, beaucoup de relances, des contrats, de l'administration. Donc, c'est vraiment ouais, c'est quelque chose d'assez lourd, puisque sur les 24 groupes, il faut savoir qu'il y a à peu près 4 ou 5 musiciens en moyenne par groupe. Il faut aussi les faire manger. Donc, on a une équipe de catering
qui prépare tous les repas. Donc par exemple ce soir il y a plus de 80 repas à préparer. Donc c'est vraiment en fait un bon boulot quand même. Stéphane, il est réunionnais et si je ne le savais pas, je dirais peut-être qu'il est anglais parce qu'il a un flegme à toute épreuve. Alors vous, vous êtes zen, hein, c'est-à-dire qu'on a l'impression que vous maîtrisez tout. Est-ce que c'est vrai ? Si je maîtrise tout, je ne sais pas, mais j'en ai l'envie en tout cas. Et zen, bah, je préfère être zen plutôt que à fond et ne pas pouvoir réagir quand il le faut. Ce soir, ça va être le top, parce que quand il fait presque 30 degrés ici, place Saint-Marc, au cœur de Rouen, forcément, vous vous attendez à une affluence record. On espère quand même qu'il y aura beaucoup de monde. Bon, là, ça commence plutôt à tourner autour des terrasses, donc je pense que le public répondra, comme chaque année d'ailleurs. Et je peux faire un petit peu la star avec les lunettes, mais... On peut voir sans les lunettes. Les téléspectateurs, voilà, voudraient voir votre regard bleu acier d'organisateur. Une question, alors que vous n'aimez pas du tout, là vous allez me faire les gros yeux encore. Un coup de cœur ce soir pour un groupe ? Plein de coups de cœur, parce que c'est vrai que c'est pas facile d'organiser. Il y a 8 groupes ce soir, donc 8 coups de cœur forcément ? Voilà, 8 coups de cœur. Bon après, moi j'ai plutôt des préférences sur le rock et l'électro, mais voilà, tout ce qu'on a choisi et tout ce qu'on a programmé, c'est aussi pour un certain moment... faire plaisir et contenter tout le monde, en fait, tout le public et sur différentes esthétiques. Alors, l'organisateur reprend ses attributs, les lunettes reviennent sur les yeux, Stéphane, le boulot reprend. Et puis, alors, je partage, hein, juste, alors on va pas le dire à tout le monde, mais moi aussi je suis comme vous, j'ai une petite préférence pour le rock et l'électro, mais chut, on n'a rien dit. On part à la découverte de toutes ces terrasses, on va vous faire découvrir ce qu'il y a on stage, ce qu'il y a aussi peut-être backstage. Petit focus, ou pourquoi pas gros focus d'ailleurs, sur le groupe Bengale avec Aminata. Bonsoir Aminata. Bonsoir. Alors, bonjour, oui, bon, on est un peu entre deux hein, ce soir. On commence par le genre. Toujours difficile de décrire le genre des groupes. Vous, Bengale, vous vous décrivez volontiers en disant on joue du vaudou rock. Alors là, il faut expliquer. Oui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde mélange un peu de tout. C'est logique, les gens s'inspirent de plein de choses. Et nous, on ne prétend pas du tout inventer quelque chose. Nous-mêmes, on s'inspire de... Voilà, de plein de choses différentes qui nous ont beaucoup nourris et influencés, mais comme il faut toujours choisir un style, on dit plutôt rock que pop, parce que si vraiment il faut mettre dans une case, c'est plus rock. Après, si on a choisi voodoo rock, c'est parce que je pense que dans notre musique, il y a une petite touche un peu mystique à laquelle on tient, et l'idée de donner, d'inventer une étiquette qui était inédite, c'est aussi pour intriguer et donner envie d'écouter. C'était quand même plus simple il y a 50 ans, parce qu'il y a 50 ans, il y avait le rock'n'roll, il y avait le jazz et il y avait le blues. Point final. Et on savait de quelle catégorie on était. Quand on lit des choses sur vous qui vous décrivent, on dit « Bengale, ce sont des sorciers évadés du bayou ». C'est vous la sorcière ? Non, on n'est pas... Ça n'en a pas l'air, hein ? Non, on n'est pas des sorciers. On n'a pas envie d'avoir une image, quelque chose de glauque et de jouer sur quelque chose de flippant, mais... c'est juste pour le côté, pour nous la musique est un peu quelque chose de magique. Nous on fonctionne toujours, on compose en jamant et il y a un moment où on réfléchit pas à des couplets, des refrains, juste on joue de la musique, on se laisse aller et le fait est qu'entre nous quatre ça fonctionne. Il y a une symbiose qui fait que rapidement les morceaux se composent et c'est pour ça le petit côté sorcier. Vous faites de la musique en jamant. Moi, si je faisais de la télé en jamant, ça ferait quoi ? Comment il faudrait que je fasse ? De la télé en jamant ? Ouais. Faudrait improviser, se lancer, lâcher prise. J'improvise, je trouve une question. La prochaine question, ça serait quoi ? Tiens, je reviens au bayou. Le bayou, c'est la Louisiane. Louisiane, bayou, sorcier. Des influences blues, parce que le bayou, c'est le berceau du blues aussi. Ouais, en fait, les influences blues, c'est beaucoup pour notre guitariste. Après, moi, on se connaît depuis longtemps, alors je sais pas si ça se sent dans son jeu. Mais en effet, toutes les musiques du Mississippi, North Mississippi All Stars, vous parliez d'avant quand c'était très simple. Lui, il se nourrit beaucoup de blues pur et dur, en vinyle, avec juste une voix, une guitare, un super bluesman. Et je pense qu'on a un petit peu réintroduit ça dans ce qu'on fait. Aminata Bengale, manifestement du caractère, hein ?
Oui. Je parle pas du groupe, je parle de vous. Bah, nous tous, hein, nous tous. C'est pour ça que vous faites du rock sans concession, c'est-à-dire que le rock n'est pas forcément formaté pour passer à la radio ou à la télé. Oui, c'est ça, et c'est vrai que nous, si on peut faire de la musique, tant qu'il y a des gens qui sont là pour l'écouter, que ça leur apporte quelque chose, que ça leur plaît, qu'on passe en radio ou pas, c'est vraiment pas du tout le but, quoi. C'est pas l'objectif, en tout cas. J'ai trouvé un skate bizarre, j'ai pas trouvé le skateur, on est aux terrasses du jeudi, me direz-vous, c'est la musique. Ben, on va certainement avoir l'explication, elle est simple en fait, c'est tout simplement parce que le magasin Bud, spécialiste du skateboard, est partenaire de ces terrasses du jeudi. C'est un peu la même culture, hein, le skate et la musique, on va voir ça. Petite interview spéciale terrasse du jeudi. Le skate, c'est plutôt folk ou c'est plutôt rock ? C'est rock. Enfin, rock pour ma part. Après, le skate, c'est plein de cultures. Ça qui est bien, c'est rock, rock, hip-hop. Et après, les jeunes sont bien électro aussi. Voilà. Je l'avais dit un peu de tout. Le skate, c'est plutôt fun ou c'est plutôt swag ? Il y en a un qui rigole, il y en a un qui rigole, c'est Georges. Allez, je la recommence. Le skate, c'est plutôt fun ou c'est plutôt swag ? Bah, je sais pas, c'est plutôt fun parce que quand on fait ça, on s'amuse. Et c'est pas swag ? Bah, il y en a qui font ça parce que c'est la mode, on va dire, mais sinon, non. Et bah, ça y est, on a tout compris. Le skate, c'est fun. Et c'est fun aussi les terrasses du jeudi, bien sûr. On rejoint le groupe We Are Match avec Gwenaël. Bonsoir Gwenaël. Bonsoir. Et puis Paco. Bonsoir. Alors, We Are Match, on traduit match, ça fit, ça va bien ensemble, ça veut dire qu'on est solidaire, ça veut dire qu'on joue en groupe comme si on était un seul. Oui, voilà, en fait, on voulait symboliser un peu l'altérité, la confrontation qu'il peut y avoir parfois entre des musiciens. Et puis au final, il y a une osmose qui se crée et ça match en effet. Est-ce que vous prenez pas un peu la grosse tête facilement quand on vous dit que vous représentez la nouvelle scène électropop, Paco ? Non, pas... Alors Paco il dit non, peut-être que l'autre va dire oui ? Non, là on est en train de travailler chez nous sur un album, on est enfermé depuis maintenant un an, on a pas trop le temps de prendre la grosse tête. Et puis ça fait tellement longtemps qu'on fait de la musique qu'on garde les pieds sur terre. Ouais. Alors, à moitié ils jouent à domicile et à moitié ils sont d'ailleurs, puisqu'ils sont d'origine rouennaise, mais on les dit formation parisienne parce que vous habitez à Paris. On vient pas de Rouen en fait, on vient de Basse-Normandie, mais on vient pas de Rouen. Mais c'est pareil, vous savez que la Basse-Normandie et la Haute-Normandie, c'est la même famille, c'est la même maison. Une seule famille. Alors, quand on voit la photo promo dont vous servez, on vous voit tous avec chacun une tête de chat. Est-ce que vous ne seriez pas les Daft Punk animaliers? Non, il n'y a pas de ça. En fait, on voulait que les gens s'intéressent d'abord à notre musique plutôt que s'intéresser à une quelconque image. Et du coup, c'était vraiment histoire de marquer le coup. On a décidé de mettre des têtes de chat sur nos visages. Mais forcément, ça suscite pas mal de questions. Quand on vous voit, moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que ce sont de gros matous ? Il y a quelque chose de ça. Non, en fait, on avait choisi les chats parce qu'il y a un des membres du groupe qui n'est pas là, qui s'appelle Aurélien, qui passe son temps à miauler, en fait, dans n'importe quelle situation. Et du coup... Le chat est venu très naturellement. Alors donc, réponse non, ce ne sont pas des gros matous. Si ce ne sont pas des gros matous, est-ce que ce sont des petits minets ? pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Qu'est-ce que ça fait de venir comme ça jouer ce soir aux terrasses du jeudi ? C'est une expérience un peu particulière, on en retire quelque chose d'un peu spécial ? Ouais, c'est toujours un plaisir de faire de la scène, d'aller à la rencontre d'un nouveau public. Et c'est la première fois qu'on faisait un concert avec autant de personnes en extérieur et
toujours assez impressionnant, il y a un petit peu d'appréhension, mais ouais, c'est toujours un plaisir. Alors vous savez quoi, vous prenez du beau papier à lettres avec un beau stylo, parce que l'ordinateur, il y en a un peu marre de temps en temps. Vous écrivez, vous faites un mailing à tous les maires des grandes villes françaises, comme à Rouen, et vous dites, on a vécu une expérience fantastique à Rouen, on veut faire la même chose partout en France, ça serait pas mal, non? C'est une bonne idée, ça, ouais. Bon, ouais, on va le faire. Vous avez 24 heures, je passe demain soir ramasser les copies. On profite d'un changement de plateau ici sur scène, place Saint-Marc, aux terrasses du jeudi pour terminer cette première partie. On se retrouve très vite, juste après, en deuxième partie.